vehicles or even MBTs operating the OP. They might also have artillery operating in the area. Also, they've established hasty checkpoints on some of the roads leading in and out of the area. Keep an eye out for anything that might look suspicious, as we believe that they may employ IEDs or even suicide attacks. The local civilians support the enemy, so be on the lookout for any strange behavior. But keep civilian casualties to a minimum, as the top brass don't want to draw unnecessary attention. Be advised, the enemy have aerial and motorized quick reaction forces nearby. Expect enemy reinforcements should they become aware of your presence. That is all. Go over your objectives. Gear up, get ready. Mission is a go. Mission is a go. Ils sont un peu en Chine, hein. Il y a un nombre de mecs au mètre carré, c'est assez hallucinant. Hein. Le souci, c'est que ce connard a mis les positifs au même putain de point. On peut peut-être régénérer le truc, non? Ça, je suis désolé, putain d'un truc, j'ai jamais rien à faire. Ça casse les couilles, ça. Hein. Non, mais j'ai laissé le truc par les couilles. Oh, sinon, vous faites entrer. Hein. Après, vous montrez le bonus et vous revenez. Ah, oui. Ah bah t'as l'autre qui est petit maintenant. Voilà, je bouge. Oh putain, c'est pas possible. Sérieux? Mais on s'en fout putain. Mais ouvrez le menu Arma et revenez. Tu fais échappe et tu reviens. Ouais. Échappe. Échappe. Non, il non je laisse. Ouais, trop cool, ça peut être bien. Voilà. Bon, on dit faudrait un peu de lumière là. Non mais le souci c'est qu'il a mis les trois putains d'objectifs au même endroit donc les trois zones sont... Oh, shit. Je pensais qu'il allait choisir un truc à un endroit, un truc à un autre, un truc à un autre, mais non. Tout au même endroit. Ouais. Tu relances la mission, peut-être que ça va régénérer. Peut-être que t'as moyen de... Ah mais... De supprimer des trucs, non? Ah. Oh putain. Peut-être toujours, mais... Ah il est là le prisonnier. Ou alors, je vais prendre vite fait, et je mets juste un objectif. Non, je virais des mecs. Pourquoi il y a des chèvres au milieu? Sauvez les chèvres! C'est un point de n'importe quoi en fait. Du coup, on reste sapé comme ça? Vous avez l'arsenal, j'ai mis un truc complet. Hein. Sapé comme ça, faudrait peut-être faire des équipes et tout. Faites deux équipes, prenez des silencieux. Ce sera pas inutile. Il nous faut deux tels. Il roule avec ses vidéos là. Ouais, c'est parce qu'il monte. Oh, il y a une table qui les traverse. Ouais, en fait, il fait les trois objectifs, les trois briefings des trois objectifs. Ça, c'est le dernier là, Task Inquire Intel. Ouais, on va dire que c'est, ça doit être du discret. Du coup, je vais quand même vous virer quelques gars, mais il y aura quand même assez de résistance. Tu gardes le lourd ou tu enlèves le lourd aussi un peu? Je vais enlever du le... on va pas être non plus complètement con quoi. Ah, le briefing. Alors, je suis en train de chercher les... où ils sont les tanks et tout. Ça, c'est une autre paire de... Oui. Ouais, parce que ils sont où exactement? Alors, il y en a un là. Les mecs... Ils ont quand même, c'est l'alliance ultime, on a des chars et des suicide bombers dans notre armée. Peut-être pas déconner non plus. Oh, il faut deux équipes. Faites deux équipes, prenez des silencieux. Je propose d'en avoir une déjà, parce que j'ai 4 mecs avec moi, là, donc ça en a déjà une. Et le reste, avec les... Un silencieux pour une MG. Avec moi, j'ai Léo, John et Thomas, enfin Kevin. Et du coup, pourquoi quoi comme en radio quelqu'un là, merde. Hello, tu peux prendre l'autre escouade? Non, c'était Boba. Non Boba voulait prendre, vas-y Boba. Bah, c'est Boba, il est là en. Désolé, je ne peux pas prendre l'autre. Et enfin, si Hello ne veut pas, je le prendrai par défaut, mais ça me dit bien si tu veux le prendre, Hello. Hein. Ouf. Je sais pas si je pourrais ce soir. Si, moi je pense que si. Allez, profite comme vous êtes en binôme. Ah. Bah allez, allez, envoie.
On voit le pâté. Ok, bon bah donc Léo, John, Kevin avec moi et bah là-bas, Nemo. Hello. Alors, je regardais où vous êtes un peu. Du coup, on s'habille comment? Enfin, on laisse en. Tu seras avec Hello ou pas? Oui, en GMGM. Oh, je vais rester en GM, hein, sinon ça va être la merde. Bah, parce que du coup, vous êtes trois dans ton escouade, non? Hello. Bah, ouais. Bon, ça devrait le faire. Après, je peux venir, hein, mais. Faut que j'essaye de mettre des trucs entre deux aussi, peut-être quand même, parce que. Voilà, comme pour mon équipe, comme c'est assez spécial, on va pas trop se faire chier. Je me suis mis en MG. On est un peu ce que vous voulez, c'est pas. Voilà. Tant pis, je reviens. Alors, attends, vous êtes là. D'accord. Il faudra au moins un mitrailleur, au moins un AT. Déjà, Alors, par contre, quand je dis vous prenez ce que vous voulez, tout en restant en autant, s'il vous plaît. C'est ça. On va pas se mettre en chinois. Des trucs trop futuristes ou trop machin. Même si franchement dans l'absolu. Alors qui est quelqu'un est mitrailleur? Ouais, Léo. Léo t'es mitrailleur? Ok, t'as pris quoi? J'ai spawné avec celle-là. Rien. Ouais bah si c'est bon. Par contre, au niveau des optiques, tu pouvais prendre RC, RCO, tout ça, hein, pas de soucis. Okay. Avec un silencieux. Bah, tu prends quoi comme armement? J'ai l'arme de base, alors je sais pas ce que c'est une M4. Tu veux nous faire un petit brief du truc? Je vais vous faire juste un. Prends un lance patate, hein, je pense. Enfin, prends ce que tu veux. Moi, j'ai pris une MG. D'accord. Pardon. Faut que tu réfléchis aussi à comment on arrive sur zone et si on y va à pied ou un truc comme ça. Ouais, je suis en train justement de. Remédier à ça. Est-ce qu'il y a un anti-char? Oui, John. Combien de missiles dedans? Attends, deux secondes. Est-ce qu'il y a du lourd en face ou c'est du. Je suis en train d'épurer le lourd. Il va rester quoi du coup? Il va rester au pire des véhicules. Mais il n'y a plus de blindés. Je suis en train de virer les blindés. Quand tu dis au pire des véhicules, des MRAP, tout ça, armés, pas armés. Non, il n'y a même plus de véhicules quasiment. Attends, je crois que j'ai épuré. Je mettrai des off-road ou des trucs comme ça. Ouais, bon alors John, ce qu'on a en face, off-road et compagnie, c'est pas vraiment du super lourd, donc normalement on devrait gérer. Si tu sens de garder ton anti-char, bah vas-y, sinon. J'ai plutôt te mettre en grenade. Plutôt alors, du coup. Parce que là c'est un peu lourd. Ah ouais, ça, surtout s'il n'y a pas besoin d'avoir de. Si on n'a pas vraiment de lourd en face, ça sert pas à rien du coup. Vous êtes contre le CESAT, hein, si je dis pas de conneries. Oui. Ok, bon. La radio c'est 152. Bah l'inter c'est 110 hein, comme d'hab. Ah non mais la PR c'est 152. Ah oui, d'accord, depuis une minute. Vous pourrez me joindre sur la 110, je vais tâcher de rester pas loin de vous, je vais me mettre en invisible. J'ai mis un point d'extraction, je vais vous filer des véhicules. Si ça vous dit, je vous mets un petit Little Bird pour dire d'atterrir pas loin de la zone. Ça me dit. Petit Little Bird pour nous insérer? Pour vous insérer. Ouais, ça me va. Par contre, bon, pour les besoins de l'affaire, il sera supprimé après. Hein. Ouais, Léo, tu nous emmènes sur le CDC, tu pilotes Léo? Ouais, plaisir. Ça va Vince? Ça me va. Il nous emmène sur l'insertion. Alors l'insertion, bah, je verrai après où est-ce qu'on va s'insérer. Alors attendez, il s'en vit. Explique. C'est pas moi. on prend le. T'as pris quelle radio? Moi j'ai pris la 100. 100? On va prendre la 120. L'équipe, on est en 100. Entendu, hello, ça va. Pourquoi t'es en blanc? Test radio. On fait de nuit du coup? Ça? C'est peut-être mieux vu le monde qu'il y a. Alors par contre, mais. Pas de thermique, hein, donc pas les ENVG2 ni les trucs, je sais pas quoi, du standard s'il vous plaît.
je vais mettre quelques véhicules, mais encore une fois, rien de méchant. Si vous voulez vous barrer de la zone après, il y aura des véhicules civils que je vais placer. Vous récupérez ce que vous trouvez pour arriver au point d'extraction. Point d'extraction, c'est moi qui viendrai avec un bateau vous chercher. Hein, donc, Ok. Deux secondes. J'ai pris large, moi. Ouais, bah moi aussi, du coup, je voulais voir si une différence. Essayez de voir les larges, hein, si vous voulez avoir un meilleur champ de vision. Il y a une large, ça pourrait peut-être. Voilà. Ah, Kevin, t'as pris une marksman, ok. Au mitrailleur. N'hésite pas à prendre un RCO, Léo, si tu veux. Si c'est libre. Ah ouais, je voulais prendre une MK18. Bon, ça va, je laisse ça. Bah, c'est toi qui gère, toi qui gère ça. Je suis en M14, en MXM, moi j'ai pris. Ok. Moi j'ai pris une batteuse. Il peut faire fusil d'assaut et marksman en même temps. Médical, moi. Ok, ok. Et pas médical. Ouais, on a pas de médecin en fait, ça fait. Ah, il y a. Voilà, c'est médecin. Une petite question, est-ce que vous souhaitez être réinséré si jamais vous mourrez, histoire que je le sache. Oh, ça dépendra. Bah, oui, oui. Ouais, c'est franchement, là, ouais, c'est un okay, peu bon à faire ça sérieux quand même, mais si on meurt, ouais, on va vouloir être inséré. Ok, ok, bah, c'est juste, je le prévois. Peut-être pas dans les 10 secondes qui viennent, mais ouais. Pour les 3 minutes. Il est pas bouchon. Ouais, mais des bouchons. Chut. Tu rejoins mon équipe, Nemo ? Une balisière, s'il vous plaît. Ah ouais. Pousse. Ah oui, la balisière. Et adrénaline. Hop. La balisière. Je vois que tu fais médecin. Non, bah non, je prends le médecin. Qui est un médecin ? Qui s'occupe du médecin ? J'ai pris large. Comment ça s'appelle ? LVG, large. Génération, je sais pas combien, large. 1, 2, 3. Ah, large, ok. Ouais, j'y vais, une large. Alors la balisière, je vous conseille d'en prendre plusieurs parce que des fois on a des bugs, il y a ce jart. Vous pourrez en mettre une sans avoir d'emmerde. Ah, tout voilà, ça coûte un. Je crois que je suis prêt. Bon, pour info, du coup, je n'exclus pas de vous mettre quelques petites patrouilles entre vous et l'objectif quand même. Ouais, alors, c'est à notre discrétion l'insertion ou C'est vous allez où vous voulez, je m'adapte. Alors, attends, là je vois que l'extraction. Reste 120. Oui. Ouais, reçu pour le 120. Loin de là où on... nos objectifs. Bon, c'est pas grave en soi vu que vous pouvez récupérer des véhicules. Je mettrai de toute façon, peu importe où vous allez, je vous mettrai des véhicules civils que vous pourrez récupérer. C'est hyper loin, ouais. Tu veux dire, ouais. Bah ouais, je veux dire, ça en stoppe quand même quasiment 10 km juste pour s'extraire. Facile. Y a pas un endroit plus près. On était comme t'embêter. Voilà. Ça m'embête quand même. C'est vachement loin là, ton extrait. Ouais, mais pourquoi je aussi loin? Ben pourquoi? Parce que le problème c'est que si on se tient qu'à un objectif, ça pourrait être très rapide. Ah, parce que attends, le truc du début là, enfin le point que je vois sur la carte, là, le cercle rouge, c'est pas le seul objectif qu'on aura? On aura deux trucs à faire après? Bah, les trois objectifs sont au même endroit, ils sont dans la même maison. Alors, bah, donc on ne sauve qu'un. En gros, ça veut dire que ça pourrait être très rapide. Et si c'est très rapide, ça va pas durer très longtemps. Mais je veux dire, t'as prévu quelque chose après ou on fait juste ça actuellement là? On verra comment gérer le temps, je pense. Ouais, c'est pour ça, c'est parce que tu vois, la situation est vachement. Non, mais j'ai bien compris. Ouais. J'ai bien compris.
Parce qu'une fois qu'on sera sorti de la zone et qu'on est en train de rouler, bon, on va juste avoir du roulage jusqu'à l'extraction, hein, donc à moins qu'il y ait enfin, qui arrive sur la roue. Bah oui, théoriquement oui. Déjà, est-ce que vous avez de la place pour prendre un mec d'explosif? Ouais, pas moi. Bah un mec qui puisse faire péter des trucs, quoi. Il charge, tu veux dire? Ouais. Oui. Thomas, il va s'habiller en civil. Alors, on va prendre ça comme ça. Ouais. Non mais sinon, je laisse comme... Non mais c'est bon, hop, je prends ça. Vous allez laisse détruire... comme t'es. Vous je allez détruire Telos. Je vous mettrai un arsenal caché dans le coin, dans la ville. Telos, c'est où ça? Tu peux mettre un petit point parce que je... Bah pour le moment non, parce que je suis sur le... Ouais, ok, pas de soucis. Le truc MCC, mais dès que je peux, je mets ça. On pourrait récapituler avant de partir. Thomas, tu es bien médecin? Oui. Tu as pris du matériel médical, tout ce qu'il faut? Ça dépend, t'appelles quoi par truc médical? Attends, est-ce que tu sais faire médecin? Parce que si tu sais pas faire médecin, ça sert à rien ce soir. Ça va être plus chiant qu'autre chose. Il te faut du poche de sang, la drée, la morphine, des bandages. Morphine. Dans la quantité suffisante. C'est marqué sur le JDoc quand tu pars en médecin. Et ensuite... T'as déjà fait des transfusions sanguines, ça? Oui, j'ai réussi à, bon, à prendre un vivant. Je vous en mettrai sur place. Oui, non, mais ok. Bon, bah, c'est bon. Et attends. Bon. Juste un truc, Vince. Seconde. Oui. Il faudra juste que tu mettes sa face en médecin par le module ACE. Bah. Attends, je vais faire ça. Parce que là, Samas, est-ce que tu peux vérifier sur moi, par exemple, si tu peux me transfuser du sang? C'est pas au milieu du combat qu'il faudra se poser la question. C'est où déjà ce truc là? Non mais laisse tomber si t'es déjà trompé. Ouais. Vous êtes à combien tous là? Moi je suis à 30 là aussi. On est au 34. Je suis à 40. J'ai des blocs de démolition. Hop, c'est bon, c'est placé. Sur map. Ah, il est où? As? Avant de faire le muse avec tes sacs à dos, est-ce que tu peux me confirmer que tu arrives à me mettre transfusé? T'as l'option pour me transfuser? Oui, c'est ça. On a combien déjà? J'en ai deux du coup. Si t'en prends un, Nas, je prends le seul, on va se répartir les points. Salas! Moi ça va, je suis pas Nas! Ils sont cassés les couilles ça. Si on fait comme ça alors qu'on en fait muse avec des sacs, ça m'énerve. Bon, il est peut-être pas SK, il est en train de faire un truc en attendant. Je vais leur poser un question tout à l'heure. Bon, t'as un claqueur avec? Normalement j'ai fait assigner médecin, tu veux que je mette quelqu'un d'autre au cas où? Ouais, dans l'équipe payload de préférence. Très bien, comme ça au moins même si t'es pas médecin, s'il y a un problème... Baba, Nemo, Hello, comme vous voulez. C'est Hello qui te dit, qui... Oui, il s'appelle le truc pour l'activer. Bah je sais pas, qui vient de faire médecin entre vous deux? C'est pas spécialement faire médecin, Baba. C'est avoir la possibilité de soigner ou de retransfuser. Ouais. Bon, et bah c'est Baba. Baba. Parce que moi je suis, Baba, je suis plein de matos, mais. Baba! Alors. Quoi? Rien. Eh? Rien, c'est bon. Côté on est bon? Mais il est où, Vince? Ouais, c'est bon. C'est invisible. Ok. Bah sinon ça va être un peu compliqué de vous suivre. Bah Baba il se désigne pour devenir pour pouvoir soigner. Faudrait qu'on reste ce problème. J'ai pas mis le truc à signer médecin donc normalement c'est bon. Ok, okay. Pas, mais... Vas-y tu peux essayer si pas, tu peux faire pour, transfusion. Si faire snipe ou une connerie. Ah t'as pas de poche aussi. Sur le coup ça va c'est... parce que j'ai la boussole en bas. Mais... Tu vous fais une poche obligatoirement pour que tu me proposes de... Ouais ouais. T'en prends une ou deux comme ça. Le seul truc d'armade de base qui s'active c'est le GPS. Parce que si tu prends les blocs plus les poches, je peux te dire que tu vas finir. Des visières plutôt s'il vous plaît, des visières laser. Des blocs sur Nord, des pioches. Moi c'est bon. Ouais, j'ai manqué une personne. Tu voulais que je prenne des blocs aussi là? Ou un trait ou tu veux juste. Non, bah non. Vous cassez pas de points. C'est la première équipe, elle a des blocs. Vous pouvez en récupérer sur place. Hein. Ah bon, ça va. Rien. Toi, un traceur laser. Tu peux pas transfuser? Voilà, ça. Si, c'est bon. Si? Ok, nickel. Léo, pour l'instant, on met pas les IR. On attend d'être sur place posé sans véhicule pour les mettre, d'accord? Ok.
Ils ont tendance à se casser, ces saloperies là, en véhicule. C'est bon, je l'ai enlevé. Ouais, bon, pareil. Bah, moi je suis prêt. Il plus de sa masse là qui est FK pour jeter qu'elle arrive en haut. MS. Aussi. Ouais. Attends, je le TP. Ouais, bah attention. Je pense qu'on est prêt. Hein. Ah oui, non, mais c'est micro qui bug. On est 3, c'est ça. C'est bon, ouais, on est 3. Et c'est bon, on t'entend. Canal 120. Je suis dans l'arsenal depuis le début en fait. Ah oui, mais je te parlais, tu m'entends. C'est on est team sniper, nous. Est-ce que tu peux vérifier en tant que médecin si tu peux me transfuser? Vous avez tous des silencieux, ouais, nickel, silencieux, bien silencieux. Déjà, nous mettre... ouais, moi j'ai une batte silencieuse. C'est parfait. Il faut juste pouf. Ah, mon escouade, on peut aller dans Little Bird, là tu peux déjà aller en pilote. Yep. T'as un truc particulier à nous dire ou on peut y aller? Vous avez vu l'autre objectif? Oui. Ouais, j'ai mis en fait c'est un arsenal complet hein, qui est derrière. User left your channel. User joined your channel. Boom explosif. Nous on est, ici là. Aérodrome c'est le côté Terry ça. Ah oui. Ok. Donc du coup faut aller. Ouais là. Hello. Yes. On fait du TL concerté. Tu veux dire quoi par là? Il n'y a pas de chef, on se dit ouais moi je vais là et puis on y va. Ah mais moi ça fait longtemps que j'ai plus fait TL, donc autant me guider. D'accord, bon bah je fais... Si t'as plus de suggestions... On va déjà... Alors tiens déjà je te dis ce que je vais faire. Ouais, on va déjà arriver relativement bas vers ici. Ouais, t'as du okay. Pilote sur la 15 que je vois rien. Ok. Toi, vers là. À spotter ce qu'on a à spotter, tout ça. C'est d'accord. Non, c'est on verra en fonction de la situation. Oui, on va essayer d'aller jusqu'à ce truc là. Moi j'aurais bien été en 213. Pour info sur Telos, l'idée c'est que vous passiez péter c'était les par ici en hauteur en 213. Mais je t'accoupe ton micro. Ah, mais c'est moins haut. Et ouais, il se peut que ici, haut, regarde, vrai. Tu vois, ici on a 214 qui peut bloquer. C'est vrai. Le 77 il a vraiment bien pris. Faudra faire gaffe ici aux bâtiments qui sont ici. Comment? Qu'est-ce qui dépasse du cockpit? Si. Faudra faire gaffe aux des bâtiments qui sont ici sur le chemin. Oui, oui. Même alors, si t'as un ça cercle. Si on arrive par. Sirta. Tu verras mes biens. Ok. Grosso merdo, je vais en fonction du. On peut rentrer dans les hélicos, je fais un briefing rapide avant que. Ok, go dans les hélicos. Puis-je pas avoir la place juste à côté? Non, négatif, c'est pour la police. La police, non? J'y vais alors, en arrière. Alors, n'allume pas encore l'hélico. 110. Un briefing rapide. Vas-y. 110. Quand tout le monde sera là, d'ailleurs. On est là? Je crois qu'il y a tout le monde. Ok. Donc, vous savez où on est? Là, on est en bas, aérodrome AAC. On visualise où on est, où est-ce qu'on commence. Mm-hmm. Voilà, petit point jaune. Donc notre premier objectif, c'est la grosse zone rouge où on doit faire plein de trucs dedans et apparemment il y a de l'artillerie sur l'extérieur du cercle, là, enfin sur l'intérieur, enfin, bref, vous voyez, vers le sud. On va essayer de s'insérer au nord de Sirta, au pied du mont rocheux, là. Donc on va s'insérer par là. On va essayer d'aller sur Pirsos en 277. Qui est l'un des points le plus haut de la zone, pour après avoir, on espère, un bon visuel sur tout le cercle. Et en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on spot et du chemin qu'on va prendre, on verra où on ira après. Ok. A priori, bah vas-y, Léo, tu peux commencer. Let's go. Ouais. Ok, des questions en comparte, mais bon, a priori. C'est quoi le faire. Point artillerie? Est-ce qu'on va mûrir? Possible aussi. Mais il y a de l'artillerie apparemment. Ouais, décollage. Cléo, on est d'accord, hein, vol bas pour l'instant. On est d'accord. Enfin, hop. Pas trop bas non plus. Ouais, non, je veux dire à 50 mètres, je pense que c'est bon déjà. Bah, tiens, on va passer sous les câbles là devant. Il est confiant. Ça passe. Avec ma 110. Bon. Voilà. Test 100, c'est bien bon pour tout le monde. Allez, c'est parti. Ensuite.
Test 110. T'es pris. Ouais. Ouais, t'es sur la 110, nouveau. T'es 110. Non, c'est 120, nous, non. Ah, tu m'as pas dit que c'était notre fréquence ? On est 120. Ah, pardon. 110, c'est comme d'habitude, c'est pour les TL. Bien reçu, le 110 et le LO. Ouais, c'est 120. Bien pris pour la 110. On sera alpha, vous serez bravo. D'accord ? Bravo. Waouh. Ok. Quand vous aurez fini la mission, pour vous dire. Kléber, ah bah bravo. Alpha, si très. Si je meurs dans mon escouade, qui veut reprendre ? Personne, parfait. Tu ne mourras donc, pas. Je vais devoir nommer, normalement oui, parce que je vous laisse à chaque fois devant. Donc... Il meurt jamais donc. Ah si, je meurs souvent. Mais oui, il échappe à chaque fois, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est vrai. Moi je pilote. Le problème c'est que si je force Léo à l'être, il va faire n'importe quoi, il va venir nous tous vous faire tuer juste parce qu'il est... Il va nous faire cracher. Ça. Ah, comme donc, ça personne ne reprendra. Yon. Mm-hmm. Prends. Félicitations. Jusqu'à que je revienne, si je reviens. Et si je tombe, évidemment, bah, c'est Hello qui reprend le lead de lead. Alors on est où là? On commence à rien, on va commencer à s'approcher. J'y vais un peu au hasard. Non, mais sur l'instant. Bah, techniquement, ils sont censés être complètement de l'autre côté de la montagne, donc depuis un Pyrsos. Normalement, on est tranquille, on arrive du côté caché. Ah. On sait jamais, des fois, il y a des connards qui se déplacent dans le coin. Et c'est sûr que Sirta est dégagé? Non. Pas sûr du tout, mon dieu. Donc, Léo, on va essayer de s'approcher discrètement de Sirta. Au moindre coup de feu, tu... Ouais, demi-tour, quoi. Ouais, on pourrait nous poser ici, là, en 197-188. Ça ? Point PZ. Faut que t'ailles un peu au nord. J'ai pas compris. Le point PZ sur carte, peut-être, non, ce serait plus simple. Entre le Sirta et Galati. Bah, de toute manière, tant qu'on peut monter en hélico, on va monter. Continue, je sais pas. Continue. Essaye plutôt de partir sur le nord-est. Nord-est. À droite du mont Rocheux là. Sur la passe à droite. Et après tu essaies de suivre nord-est la direction. Ah bien Nemo, on va plutôt essayer d'éviter Sirta, on sait jamais. On va essayer de passer entre Sirta et Galati. Et de se poser le plus proche possible du sommet, si on n'a pas de soucis. Guide hein, parce que moi j'ai pas l'œil sur la carte. Vas-y pour l'instant. User joined your channel. Supercopter. Normalement on est encore relativement loin mais on sait pas ce qu'il peut y avoir aux abords de la zone. Ok, tu veux rentrer plein nord là. Plein nord. C'est de passer entre les deux, entre le creux des deux là, du point 157 et 158. Pas ton GPS? Non, bah non, tu vois rien en GPS de toute façon. Ah non, non. Ok, bah continue. Ceux qui sont devant, regardez s'il n'y a pas des machins qui commencent à nous tirer dessus, vous regardez bizarrement. À approcher des flancs. Les flambis. Il y a des câbles. Télémètre. Continue. Est-ce que tu vois le point A? Tu vois pas point encore A, non, un peu sur la pas. Gauche de à l'avant. Ouais, on va dessus à peu près. Hein. Genre tout droit là. Ouais. Ok, j'ai une grande antenne devant moi au sommet de la colline. Ouais, bah ça, je pense que c'est Pyrsos. Okay, à gauche ou à droite? Ah non, juste devant nous, non, c'est pas dans ce perso, c'est plutôt de côté. Ok, tu vas essayer de partir nord-ouest, ouest-nord-ouest, pour nous rapprocher de Pyrsos. Si tu trouves un petit coin pour nous poser, bah, je pense que ça ira. Bah, moi, tu me dis, hein. Ah là, dès que tu trouves un point où nous poser, tu nous poses. Ok, bon, bah là, sur le plateau là devant. Ok.
du vent. Voilà. Et qui ont pas descendre. Alors hello, tu m'entends? Je t'entends. Ouais, je suis là. Bah direction Pirsos. On se retrouve là-bas, pas cette bande. Pirsos. Ok, on est au point A. Ok. C'est là. C'est juste là, on est là. On vous suit. Ok. Bah c'est parti, bravo. Vous pouvez mettre 300... vos lisières. Go cap 315. Pour Pirsos. Allez, vas-y, je vois. Attendez, on va peut-être pas les garder. Alors, je vais mettre temps fort pour que vous m'entendez. Ah putain, je te cherchais. Attention en haut, on n'est pas sûr que c'est sécurisé. Tu me fais un sit-rep dès que t'es sur le point, bravo. Bien pris. On voit clair, hein. J'ai pas, même pas besoin de mettre ma JVN. Hop. Hop. On va fouiller tout ça. Ça a l'air clair. De bravo, on fouille le site de Pirsos. On vous dit si c'est clair. Merci, on est déjà là, donc on va voir aussi. Est-ce que quelqu'un qui a un télémètre peut me checker rapidement sur l'est au niveau des autres points qui ont l'air un peu bizarres, c'est des trucs. User left your channel. C'est bon. Ok, c'est clair. Une émo, j'ai un clair. Télémètre si tu veux. C'est parfait, continue. Il y a du mouvement nord-est sur la crête. Mouvement nord-est sur la crête. 4 hommes qui se déplacent de oh putain, oui. Dans un vecteur sud-est. Nord-est sur crête, est même, est-est, nord, mouvement. La patrouille va pas vers nous, on les fait pas chier pour l'instant. On s'est fait repérer avant d'avoir repéré la zone. Hello, est-ce que tu peux aller en avant, repérer notre zone d'opération, et nous rester en arrière pour s'occuper de la patrouille s'il le faut, d'accord? Ok. Repérer des trucs, vous donc remarquez nous, sur carte et tout ça. Donc continue au nord. Tu veux qu'on va vers où, vers quelle position? Tu ailles vers nord pour avoir un visuel sur la zone. Sur la ville? Oui, sur la zone. Ok. On reste en arrière, on garde un oeil sur la patrouille. Bravo, on y va. Tout en faisant gaffe à la patrouille. On va au nord. La patrouille à eux, c'est de monter la colline et descendre la montagne. Bah putain, bonjour. Hein. Alors, est-ce qu'on a un visu? Affirme. Ok. De bravo Alpha. J'écoute. On a un visu à partir un peu plus loin d'où ce qu'on était, sur la ville. D'accord, est-ce qu'on peut vous rejoindre? Est-ce qu'il y a un endroit où on pourra se mettre ou ça a l'air d'être un peu... Comme on a vu, il y avait la patrouille qui passait...
Mis à part ça, ben, ça a l'air vide. Je dirais pas safe. Bon, bah, j'en arrive, on arrive. Un homme qui se déplace seul au nord de la ville et qui part vers le nord. La ville vers le nord. N'hésitez pas à placer sur carte tout ce qui peut être statique ou même en mouvement. Et de ce qu'il y a. Il y a des hommes qui sont au nord-est sur le flanc de colline. J'ai des hommes armés dans le village. J'essaie de trouver où ils sont. Il y a un civil qui se balade. T'as des mecs à gauche. Je 220, il y a des hommes. 220. Des chèvres. Ouais. 330, ouais, là-bas. 332. Ouais, c'est bien. Ah oui. Dans la ville d'Abdera, il y a des hommes armés, alors ils sont... Et est-ce que quelqu'un peut repérer s'ils ont des JVN ou pas? Visiblement, de ce que je vois, non, ouais, ils ont du képi sur la tête, mais... Non, il y en a qu'on ont. Hein. Ouais, ils en ont tous, en fait. Ouais, ils en ont tous. Ok, bah c'est ça, donc ils ont des JVN, ce qui veut dire qu'on va quand même essayer de faire gaffe. Les balisières, je sais pas, bah, ils vont les voir, du coup. Il y a à peu près une cinquantaine d'hommes en azimut 28. Une 28, tu... cinquantaine d'hommes. 28. Il y a deux escouades azimut 355. Juste au-dessus de la route. Montent la colline. La route. Ah oui. Bon, j'ai arrondi un 50, mais on les voit au fur et à mesure parce qu'ils passent vers nord-ouest. Oui, effectivement. En plus, c'était ex. Ça fait très mal. Je crois que c'était 356, ouais. 356, il y a deux bonhommes. Il y a une espèce de hall du marché en azimut 16 en plein milieu du village, il y a deux mecs dessous. Et des mecs qui s'enfoncent dans le sol. Vous les voyez 356 ou pas? Ah ouais. C'est ça que je viens voir. Et des mecs qui débarquent. Il y en a deux qui bougent pas. Il y a M2 sous. Il y avait une autre bunker. Il y a un bunker M2 en azimut 6. Azimut 6, ça m'intéresse. Il ouais, y a 4 mecs azimut 7. Il y a toute une patrouille juste à côté d'ailleurs. Alors s'il vous plaît, si vous notez des trucs comme des mitrailleuses ou des trucs statiques, notez sur la carte si possible. Alors, on évitera de les oublier quand on avance. Il y a un mec bunker, ouais. Non mais ils sont une vingtaine là-bas, azimut 6-7. Ouais, si tu vois des trucs, note-le sur la carte s'il te plaît. Attends, j'essaie de déterminer la position. Pas... D'abord que je sache où je suis moi. Là tu as un petit peu au nord de Pyros. Il y a des gens qui regardent autour de nous. Il y a personne qui regarde autour de nous. On pourrait faire prendre par la patrouille qui... Non, je suis sur l'œil sur la patrouille. Ok, super. Putain, j'ai eu peur, il y a eu un lapin. Là. Jusqu'à ordre, pas de balisière ni de laser. Hein. On part du principe qu'ils les voient et qu'ils vont nous casser les couilles si on s'est repéré avec ça. Ouais, c'est bon, j'en le fais. Alors, quelqu'un aurait-il repéré le bâtiment où il est censé y avoir tous les gars qu'on est censé repérer, choper? Affirme. Bah, dans le bruit, alors attends. Ouais, il y a un mec centré en azimut 19-20, truc comme ça. Ouais, c'est, tu vois, il y a un 4x4 garé à droite. Il y a un mec à azimut 13. Il c'est monte. Un bâtiment qui est éclairé juste devant. La route. Ouais, ok. Alors, bon, les mecs qui sont à l'intérieur et qui se baladent, ça. D'ailleurs, on voit le prisonnier sur le balcon. Il est gardé par un mec. Ah, oui, tout à fait. Bah, ça, au pire, on s'en fout un peu. En fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les patrouilles dans la pampa et les fixes. C'est vrai que c'est le plus dangereux lorsqu'on va avancer. Il y a un mec fixe, azimut 17. Alors, un mec fixe, ça m'intéresse pas trop non plus. Et les statiques, les mitrailleuses. Vous en avez repéré une tout à l'heure, c'était ouf. Je l'ai marqué sur carte. Elle est hors du village au nord. Dans du village?
Ah ouais, ouais, bah c'est loin, putain. Je pensais qu'il y a à l'intérieur. Bah, ils sont pleins sur zone. Ah oui, est-ce qu'il y a un barrage, un contrôle? Ouais. Ça, c'est celui-là. Ok, donc ça, a priori, on s'en fout. Il y a un bonhomme qui monte la colline Zimut 21. Ah non, il redescend. Ça, c'est un civil, ça. Je sais pas ce qu'il fait, mais... Il y en a un autre juste à côté, dans les rochers. D'ailleurs, visiblement, il y a un gros poste de garde beaucoup plus loin sur la route aussi, là. Tout en haut, en 18. Je vois des mecs, des sacs de sable. Est-ce que vous voyez d'autres statiques? Des pick-up armés ou autres? Dans la ville, plus précisément. Ouais, nous tirer dessus lors de notre approche. Vous voyez pas passer. Bah, voilà, pas de véhicule en tout cas. Derrière nous. Voilà, attendez, attendez. On a pas trouvé derrière nous qui est passé tout à l'heure. Il repasse. Il repasse. Il revient vers ici. Ah ouais. Ok, okay, faites gaffe, faites gaffe. Baba, voilà. Baba, Baba, Baba. Voilà, Baba, il s'est pas couché. Bah oui, il reste debout. Forcément. Bon, j'ai été si proche. On va nous en faire repérer du coup. Ah ouais, le truc c'est que ma touche H c'est pour une geekzeuse quoi. Ouais, non bah t'es... Oui, bah, c'est... Ouais. On va bouger de là de toute manière, dès que Baba est ready. Hello. Ah, t'as perdu un peu de temps quoi, ça va. Hello, hello. Non, ça va. Oui. Ah, mon escouade va s'occuper de neutraliser nos arrières et nous sécuriser l'arrière, d'accord? Je suis au PLO, frère, partir. Ok. Hello, hello, hello. Moi, oui. Je suis là, je veux te parler. Oui, quoi? Vois le tracé sur la carte noire. Il y a une escouade qui arrive. En... Ouais, 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 bah, on le suit. Occupez-vous-en. On va suivre ce tracé-là, d'accord? Ok, d'accord. Ah, c'est parti, bravo, on suit le tracé noir. En direct? Ouais. Ouais, on vous suit en... Mon escouade, est-ce que ça va avec les ennemis? De Alpha, bravo. Bravo, j'écoute. On va rester sur place pour les maintenir et pour les neutraliser. On vous laisse aller en avant. Et escouade de droit devant. En bas. Hello, ça va? Ouais, nickel. Je suis parti du principe que n'avait pas de silencieux, qu'il n'y a plus d'effet de surprise. Si, si. Normalement, le oui. Village, hein. Je fais toujours dodo. Normalement, on peut. Ouais, le village, non, on est encore sur l'effet de surprise. Ouais, il doit y avoir quelques patrouilles sur le chemin, c'est pour ça. De Alpha, bravo. Bravo, j'écoute. Vous voyez le petit bâtiment devant vous? Ouais. Vous allez faire pause et nous couvrir quand on va vous rejoindre, d'accord? Ok, bien pris. On va faire pause sur le bâtiment à notre gauche. On va attendre Alpha qui va nous rejoindre, on va les couvrir. Hello, en 40, il y a une MG sur un pick-up. Elle est proche? Je te dis ça dans un instant.
150 mètres. Ok, ça va. Elle protège la ville. Je vais quand même prévenir Alpha. Je peux la traiter. Alpha, bravo, il y a un véhicule qui arrive sur vous. Vas-y, traite. Il y a un véhicule en approche. Pour le véhicule. Attends. Est-ce que le véhicule est civil ou pas? Vas-y, traite. Ah, c'est bon, il est traité. Le véhicule est traité. Bien reçu. Alors, tenez votre position. On va bouger pour vous rejoindre. Ok, bien pris. On tient notre position. Tu tires sur quoi, Nemo? Ah, sur la M2 qui était en 40, là. Ok. S'il est traité, le mec, là. Ok, il y a Alpha qui va nous rejoindre, juste derrière. On a survécu à ça, on est un peu châtés, je crois. Ouais, mais après... Non, ça va. Vous pouvez bouger de l'autre côté de la route sur la baraque, de l'autre côté. Ok, Alf, bravo. On traverse. Ah tiens, allez, tu vas te mettre en rouge avec moi. Je vais donner Kevin, je vais le mettre. Hop. Tu vois quelque chose ? Ici, bravo. Ok, si c'est bon pour vous, vous pouvez continuer sur le tracé noir. Nous, on va vous se mettre sur votre position et vous couvrir de là. Bien pris. Ok, bien pris. Ok, ben... C'est bon, tout le monde est bon? Prêt à repartir? Si on est prêt à repartir, on reprend le tracé noir. Ok. Ok, bah c'est parti. Nemo ? Ah ouais. J'ai eu test s'il y avait de l'ennemi devant. Attends juste deux secondes, Baba. On te rattrape. Attention, bravo, on a un audio hélico. Vas-y. On va se mettre vite droit devant dans l'herbe et on va plus bouger. À terre. De Alpha, bravo. Bravo, j'écoute. Faites gaffe, sur le flanc de colline en face de la position où vous êtes parti, il y a une escouade d'ennemis qui se déplace vers l'ouest. Donc faites attention pour votre trajet. On pouvait répéter la communication? What? Il s'est crashé. Ah oui, il y a une escouade de Azimut 341, faites gaffe. Une escouade d'ennemis qui se balade sur les flancs de colline. Ah oui, oui. Apparemment, il y a un Léo dans leur escouade. Ah oui. Ah, mais je vois qu'un civil en fait. Ah, il y a un civil, mais une escouade plus bas. Une escouade plus bas. Bravo. Bravo, j'écoute. Si possible, évitez le combat tant qu'on peut, hein. On va faire de notre mieux pour éviter le combat. Laissez-les passer ou reculer, mais si possible, n'engagez pas tout de suite.
terminé. Ok, donc on va pas les engager, il faut vraiment se faire discret. Ils font quoi là? T'as un vide dessus, Baba? Non, ils ont disparu. Ils ont disparu? Ils ont disparu, je les vois plus. Merde. Est-ce que s'ils viennent sur nous, c'est un peu chiant. Je voulais qu'on ait une marge. Bon, on va avancer un peu. On va se mettre accroupi. On va avancer discrètement. On va essayer de revoir un visuel dessus. Attends, on voit rien ici. De Bravo Alpha. Alpha, j'écoute. Est-ce que vous avez encore un visuel sur l'escouade qui est à notre ouest? On a un visuel sporadique. Quand ils vont plus sur l'ouest, oui, mais quand ils vont un peu vers la forêt, on perd leur trace. Ok, c'était pour savoir si on les avait vraiment dans notre champ de vision ou pas, pour qu'on puisse avancer tranquillement. Bah, là, actuellement, ils sont en plein dans le Talweg, si je dirais, en plein sur le tracé noir, je dirais. Ok, bien pris. Est-ce que vous pouvez me donner votre position? Parce que là, je vous ai un peu perdu. Ah, vous êtes juste là, d'accord, j'ai un visuel sur vous. Ils sont juste en face de vous, en fait, techniquement, là. Ah bah, ils sont juste en face. Attends, moi, je les vois pas. Je vois plus, ils sont dans la putain de végétation. À mon avis, ils vont voir le crash, peut-être. Putain, ils sont juste là. Ah si, c'est juste là. Ils nous cherchent, hein. Ah, ils sont dans les bus. De Bravo Alpha. Alpha. À mon avis, ça va être inévitable, hein. Ils nous cherchent. Bah, disons que je les voyais valdinguer à gauche, un peu à droite, et là ils viennent vraiment sur nous, donc c'est vrai que c'est un peu chiant. S'ils reviennent vers nous, on va laisser partir. S'ils reviennent vers nous, on avance, on les fume, d'accord? D'accord, bien pris. Ok, s'ils reviennent vers nous, c'est vraiment que c'est inévitable, on va les fumer. Mais là, on va voir s'ils repartent. Ils sont repartis. Ils sont repartis. Ils avaient direction nord. Ouais, je vais demander à Alpha voir si c'est clair de notre chemin. De Bravo Alpha. Alpha. Est-ce que vous avez un nouveau visuel sur nos ennemis qui étaient sur notre route? Négatif, on n'a pas de visuel. On les a perdus, ils sont derrière les arbres là. D'accord, parce qu'ils étaient repartis vers le nord, donc ils se sont un peu écartés. C'est pour savoir si on pouvait avancer. J'ai vraiment un visuel sur eux, ils sont en train de remonter sur le flanc de colline. Ok, ils sont en train de remonter, on va profiter pour s'avancer. Ouais, je vous conseille d'y aller. C'est parti. Le même chemin alors. Ouais, c'est parti, chemin noir. Allez, hop, on va se mettre debout. Bravo. Bravo, j'écoute. Ils sont en train de descendre, donc positionnez-vous, prenez un bon visuel sur eux et commencez à les fumer dès que vous pourrez. Ok, bien pris. Bon, les connards, ils sont en train de redescendre, on va prendre une position et on va les fumer. Prendre un rocher. Ouais, rocher, arbre. Prendre position et on va les fumer. Parce que là, ils... Silencieux toujours? Ouais, silencieux. Alpha, bravo. Bravo. Et ils sont en train de remonter, allez-y, on va les engager nous, d'accord? Bon bah ils sont en train de remonter, ils vont, Alpha va augmenter, enfin, les engager, nous on avance. Juste au-dessus de nous. On va avancer. Okay. Bravo. Bravo, j'écoute. Après il reste un hostile qui est encore en vadrouille, on vous tient au courant, terminé. Ok, bien pris. Ok, il resterait un hostile en vadrouille, mais ils vont essayer de l'avoir. Nous, faudra faire attention où on met les pieds. Voir s'il n'y a pas... Ouais. Est-ce qu'il y avait aussi une vingtaine d'ennemis à droite? C'est un peu écarté de la ligne. Ouais, c'est pas grave, c'est approx. Tombe dessus. Ouais, mais on est totalement à découvert, je pense, sur la ligne. Je pense que c'est. Ouais, ça va être approximatif pour la ligne. Tant que tu suis le chemin, c'est bon. Vas-y, okay. Là-bas.
Ouais, croupi, ouais. Alpha, bravo. Bravo, j'écoute. De Alpha, on est en route, on vous suit, donc faites attention, on est derrière vous, hein. Et il y a peut-être des ennemis aussi encore. Bien pris, pour l'instant on a suivi approximativement le chemin noir et il n'y a pas d'ennemis. Enfin, on n'a pas croisé d'ennemis. Faites attention à vous. Ah, ça là. Ça n'a pas d'air, putain. Ça n'a pas d'air. Lampadaire, c'était moi. Lampadaire. Des copains, ça? Je sais pas. Non, je pense pas. Peut-être. Lapin? Ça me semble. Lapin. Ok, Baba. Baba. Oui. Il y avait une baraque juste en face, là. Tu vois. Au-dessus de la butée, il y a une baraque qui est entourée. On va essayer de se retrancher dedans. Dans cette direction. Alors, par là. Ok. Par là. Wow. Oh waouh waouh! On l'a vu ou pas? Je sais pas, mais moi j'ai pris cher. Oh chou 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 chou. Emo? Ouais, ça, j'ai pris un peu, je me soigne. Moi aussi j'ai pris un peu, je me soigne. Vite okay. Fait. Hop, un petit pansement. Vas-y, allez-y, ça a l'air. Oh 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 oh! Ça vient d'où? Ok, c'est ça. Bien. Vient du nord. Grenade. Vas-y, vas-y, un grenade. Ça va bien allongé. Pas touché d'ici. D'Alpha, bravo. Wow. Merde, non, pas bravo. Ok, là il est dead. Bravo, j'écoute, on est sous le feu. Ça va pour vous, vous avez besoin d'un renfort. Ouais. Repliez-vous si besoin, on retape tous ensemble. Juste derrière l'arbuste devant Elo. Ouais. Là-bas. Hop, 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 hop. On va se replier. Repliez-vous un peu, y a de quoi se mettre à couvert. Ça va, Baba? Bah, je me soigne vite fait. Bon, okay. Je vais monter au-dessus, mais bon, ça va être chaud. Parce que là, il y a des rochers, on pourrait se mettre à couvert. Ouais, c'est bon, il est mort derrière. Nemo ? Affirme. Gros pire. Je veux mourir, Bramard. Alors on est bien à couvert. Voilà, moi je voulais aller justement vers les baraques qui sont là. Progresser dans la ville après. Qu'est-ce que vous en pensez? On aura découvert quelle baraque? Celles qui sont. Alors. Là. Est-ce que j'ai un rond? J'ai pas le rond. Parce que je suis bloqué avec des feuilles. Je vois que t'es en train d'indiquer par ici, toi. Là. Les barres qui sont là. Vous voyez le rond? Ok, ok. Mais on va d'abord peut-être certainement aller là pour vérifier le début du village. Ça marche. Ok, je vais prévenir Alpha. De bravo, Alpha. Alpha, j'écoute. On va se diriger vers le nord-est au niveau des maisons qui sont entourées d'une palissade. De
on essaie de vous rejoindre en suivant le tracé noir, mais on a des mecs qui nous attaquent par derrière. Donc dès que vous êtes positionné à un endroit, pardon, à un endroit, vous mettez un point, vous rejoindra, d'accord? Ok, bien pris. Allez, c'est parti. On sent bien attention. Où on met les pieds? On n'hésite pas à se mettre proche des couverts. On retourne au couvert, je pense. Ouais, ouais, ouest, nord-ouest, couvert, on va. Go couvert. Prends des couverts. Tout le monde va bien? Ouais. Ok, nickel. Alors. Il y a les tirs d'où ici? C'est de l'ouest, hein. On est bien d'accord. On s'est bien de se faire engager? On vient de se faire engager, oui. Ah, je vois, un autre 4 hommes qui sont azimut 230. Wow, wow, wow! Derrière nous, derrière nous! Ah, il m'a touché, enfoiré! Ouf. Il y a encore des menaces! Ah là là là! Zut! Ah, j'ai pris cher encore. Oh là là, on s'est pas gagé. Fou fou fou. De bravo. Alpha, bravo, m'a appelé. Bravo Alpha, on est sur le feu là, on est mort. Voilà. Putain, shit. Encore? Merde, j'ai fait une grenade. Et what? Non mais c'est pas fini. Ah oh mais ça va aller, oui. Je suis mort, je respawn au même endroit. Ouais, on respawn au même endroit. Oh wow, et on respawn à un endroit, c'est reparti, le jour de la marmotte. Putain, ils sont une vingtaine à nous entourer là. Je ah non, mais là. 11 kills, 11 cartouches tirées. Alors, attention, c'est bien. Vous arrivez à annoncer un azimut.
la femme derrière. Oh là là. Pourtant, on a été silencieux, mais. Grosse escouade sur nous là. Mais c'est un mini ça. Ouais, ils sont à l'infini là. Il était couché. Alpha, bravo. Bravo, j'écoute. Le mec il est là. Le jour de la marmotte. Non mais ça se fait bravo. Là. Bravo, j'écoute. Actuellement, je sais pas où vous êtes. Est-ce que vous pouvez marquer un point sur carte? Non. De bravo, je vous fais ça dès qu'on je suis entre guillemets plus sous le feu. Sous le feu, j'entends plus rien, deux secondes. Ok, on est ici. Et comment ça va les copains? J'ai l'impression que ça se calme un peu. Ouais, ça se calme un peu. De bravo, je vous ai mis un point sur carte. Merci. Oh, on est encore bien entouré là. Ah ouais, ça c'est sûr. Ah là là. Non mais c'est quoi cette... Alpha, bravo. On n'est pas loin de vous, on va essayer de vous rejoindre. Donc faites attention à vos tirs. On arrivera de votre sud-ouest. De votre sud-ouest. Vous pouvez répéter. Je suis trompé. Vous pouvez répéter communication. On est au sud-ouest de votre position, bravo. On va essayer de vous rejoindre. Faites attention à vos tirs. Ok, bien pris. Des alliés vont nous rejoindre du sud-ouest. Oh, c'était sud-est ou sud-ouest. Ah, avec ces coups de feu là, je sais plus. Ouais. Nos alliés devraient nous rejoindre dans pas longtemps. Ils sont sur notre sud-ouest. Allez, mort. Wow! Salut. Ça va? Bon, ça a l'air de s'être calmé. Ah, lui, je l'ai vu là. Azimut 356, un mec derrière un mur qui fait muse. Hein. Derrière un muret un peu détruit. Ok. Yes. Bon. Alpha, bravo, on est en mouvement vers vous.
Bravo, on vous voit. Ok. Bon, demandez squad les plus valides, vous checkez les azimuts, le reste vous soignez. On rigole, là c'est la fête. Ah voilà, ça laisse. Wow, ça recommence. Attends doucement. Qui l'a fusé là? J'ai beaucoup de sang. En face en 86. Ah, doit être ennemi la fusée. C'est bon. Merci. Bon, c'est mieux. Ouais. Il le. Au vol. Baba. Alpha. Tu sais que le petit rocher où on était juste. Et est-ce qu'on peut se diriger vers justement les bâtiments qui sont en face en 86 voilà. On est allé par là. Ok, bravo. Dès que vous êtes prêts. Je me fais frapper, je me fais toucher. Je me tourne. Le mec était allongé là. Oh putain. Bravo, vous êtes prêts? C'est comme ça. Je peux plus mettre de poids de sang. Bravo. Quasimut. Dès qu'on est prêt, on va Azimut 71, 72, respawn, sur les bâtiments d'en face. Vu que j'ai respawn, j'ai bugué. C'est parti. Médecin, je peux plus me faire de transfert. Ah ouais, ok. De Alpha, adieu. Ouvrez tous les azimuts et surtout les. Ici Dieu. Adieu. On a notre médecin qui ne peut plus médecine. Est-ce que tu peux mettre un coup de ace médical dessus? Affirmatif. J'ai ce pouvoir. Alors ça a l'air safe pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien. Alors un peu plus de couvert. Bravo, j'écoute. Dès que vous êtes en position, on va bouger, vous nous couvrez. Terminé. Bravo, bien pris. Bien pris. Hop. Derrière, là, j'ai l'impression en 92. Négatif, je peux toujours pas. Bah, tant pis, on va faire 100. Je vous assigne tous. Négatif, pas pour moi. T'as eu une émo ou pas? Oui, je l'ai. Merci, Dieu. C'est bon, il est down? Oui, il est down. Ok. On va aider nos amis Alpha à traverser. Ok.